Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va voir un cours de communication progressive de français. Et ce cours est destiné uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et les adultes. Faire les courses comme thème et acte de parole, c'est demander des articles. Demander des articles. On a cette situation, c'est la première à la boulangerie. Pâtissier. Regardons, s'il vous plaît, il y a l'employé et la cliente. Madame, bonjour madame, je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Bonjour madame, je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Oui madame, et avec ceci. D'accord. Je vais prendre aussi une tarte pour 6 personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux poissons, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. Alors, toujours avec le thème faire les courses, je vous donne ici manière de dire. On dit je voudrais. Je vais prendre. Ou tout simplement un croissant, s'il vous plaît. Alors, si vous étiez à la boulangerie-pâtisserie et vous demandez des articles, vous dites ces expressions. Je voudrais, je vais prendre, ou tout simplement un croissant, s'il vous plaît, comme exemple. Alors ici, par exemple, c'est une remarque un peu culturelle. De l'utilisation de madame, monsieur. L'utilisation de madame, monsieur est parfaitement normale et polie. Sous forme de question, monsieur, madame, ces mots signifient vous désirez. Monsieur, madame, ces mots signifient vous désirez. Alors ici, l'employé utilise madame. Regardez au début, madame. Ça veut dire, que désirez-vous, madame? Ou monsieur, que désirez-vous, monsieur? Alors, côté grammaire et vocabulaire, on a le masculin, le féminin et le pluriel des noms. Nom masculin, par exemple, un croissant, un bonbon, un gâteau au chocolat, une brioche au sucre. Un gâteau au chocolat, une brioche au sucre. Nom féminin, on dit une tarte, une brioche. Une glace à la fraise, à la framboise. Dans le pluriel, on dit des fruits, des gâteaux, une tarte aux pommes ou une tarte aux abricots. D'accord? Côté vocabulaire, on a ici du pain. Par exemple, une baguette, un pain complet, un pain de mie, un pain de mie, etc. Et des viennoiseries. Des viennoiseries comme un croissant, une brioche, un pain au chocolat, un chausson aux pommes, des gâteaux comme un éclair au café, un millefeuille, un chou à la crème, des tartes, par exemple, tarte au citron, fraises, aux pommes, aux abricots, des bonbons, du chocolat, des glaces. Voilà, c'est vraiment très simple. C'est donc la première situation de communication ici. C'est très fameux, ce cours de communication, parce que se trouve à la première. C'est demander des articles, c'est vraiment simple. Voilà. Alors, si vous aimez bien sûr cette vidéo, vous pouvez mettre des likes, des commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous êtes nouveau. D'accord? Et si vous avez bien sûr envie d'avoir le reste, il faut tout simplement cliquer sur la cloche pour avoir de nouveaux thèmes. C'est avec vous, Monsieur Sevdalen de la chaîne Je Communique TV. Merci de votre attention. À la prochaine.